Salut à tous, je vais faire un test sur Xbox One de Fallout 4 sur Xbox One. Allez, c'est parti. Alors, je connais pas bien le jeu, je vais un peu découvrir le jeu parce que j'avais joué il y a longtemps aux deux. Là, ça fait un petit moment que j'avais pas rejoué à ces versions là, c'est à dire le dernier. Bon, il était sorti depuis un petit moment maintenant, mais moi je l'avais pas testé encore. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Il est sorti aussi sur PS4 et PC aussi. Hop, le temps que ça charge. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de tester, je vais voir, je vais découvrir avec vous comment il est. Hop. C'est toujours, je crois, aussi le tout nucléaire, tout l'apocalypse, si je m'en rappelle. Alors, ça commence, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire? Je ne sais pas du tout. La guerre. Ah, c'est déjà la guerre. La guerre ne meurt jamais. Ouais, très bien, il est pas mal par contre. En 1945. Débarquement. Mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Oui, je vais essayer d'avancer quand même. Hop, pour montrer le jeu quand même. Hop, le but c'est de vous montrer le jeu surtout. Parce que si on reste à l'intro, je pense qu'elle doit être assez longue. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Graphiquement, il est pas mal le jeu. Bon, le visage. Hop. Ah, parce qu'on peut changer le visage. Sélectionnez votre visage, motif. Ouais. Sexe, terminé. Bon, on va pas trop changer, on va voir. Appuie sur A pour améliorer. On va le faire en papy. On le laisse comme ça. Voilà. On va le laisser comme ça. Puis vu. Hop. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il sauvegarde un peu partout. Là, j'ai vu. Là. Voilà, et graphiquement, ouais, ça va. C'est bien la route là. Surtout là. hop, elle s'appelle Nora. Ouais, ça va être autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre la douche. Je sais pas quoi faire. Hop, c'est cool. C'est quoi le but du jeu en fin de compte? Parce que là, hop, je sais qu'on peut faire pas mal de choses dans le jeu. Chaise, ah ouais, on peut s'asseoir, c'est pas le but du jeu quand même. Je vais essayer de sortir de la maison pour vous montrer. Hop, hop. Voilà, j'ai oublié, t'as l'air sympa. Ah, elle a changé la cafetière. Elle parle maintenant. Merci, Cotsworth. Cotsworth. Non, dans le nom, lui. Toujours la même chose. Ah putain, la télé est super. Hein. Ils sont. Ils ont la télé encore en noir et blanc. Super. Hop, on peut pas sortir d'ici. Oh là. Pas bloqué quand même. Hop. On va essayer de sortir d'ici. Mais je peux pas sortir. Oula, c'est quoi le bordel? Attends, on va prendre un petit coca. Je sais pas quoi faire. Coca-Cola, bien frais. Je peux. Ouais, moi je voudrais sortir de la maison. Je veux pas rester bloqué. Ah bah on a même un chien. Une gamelle. On ne trouvera jamais ce chien. Ah ok, il a perdu les chiens le mec. Hop. Machine à laver, super, génial. Là, je vais aller aux toilettes, je sais plus. Ah, et si je fais le robot. Non, il était dégueulasse. Non merci. Alors, ah mais il y a le pitou. Ah ok. Les voix parce que j'entends pas bien quand il parle. Hop, les options audio, les voix, parce que là j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ça se regardait. Ouais, hop. Alors, c'est quoi le but? Eh, hey, trésor, tu veux bien y aller? Quand c'est moi, il se contente de te réclamer. Ouais, je viens juste d'aller voir le Pichou. Pas possible. Et on ne touche pas au linge.
faut pas y charger les couches. Hein. À quoi Sean ressemblera plus tard. Ah, je vais aller le voir. Il s'y raconte lui. Hey, Cotsworth. Je passerai l'aspirateur plus tard. Ok. Alors, je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire, mais là, moi, je voudrais bien sortir et faire de cette maison. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tout, on peut toucher un petit peu de tout là. C'est bon là ça. La guerre ne meurt jamais. Ah ouais ça. C'est clair. Ouais. Ça me dit pas ce que je dois faire là. Si pas rasé en plus, fait chier. Super le placard. Je sais pas si on peut prendre. 2 minutes. Biscuit Fancy Lads. Macaroni Blamco. Date d'expiration. Jamais. Jamais. Ça là est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, elle me dit d'aller voir le bijou, mais je suis allé... Hé, hey, Trésor. J'ai déjà essayé de l'ignorer. Ça marche pas. Autant aller ouvrir. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Mon préféré. Allez, tu veux bien y aller, s'il te plaît. Tu peux aller ouvrir? Ah, il y a quelqu'un à la porte. Ouais, elle est où la porte elle... Bonjour, société Voltec. Ok, écoutez, ne pas m'intéresser. Qu'est-ce que vous voulez? Ravi de vous rencontrer, monsieur. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. Okay. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ce qui est bien, c'est que le jeu est tout en français. Ceux-là qui comprennent, parce qu'en anglais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, un peu le bémol, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Le doublage, par contre, il est bien fait. L'abri 111. Il y a pas assez de place. Je n'ai pas vraiment le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne prendra qu'un instant. Je dois simplement vérifier certaines informations. Je dois m'assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Ouais, c'est sympa. Dites-moi plus. Vivement la fin du monde. Ça, ça me plaît. Alors, voyons. C'est quoi ça le nom? On peut mettre le nom. Ouais, on va mettre ok. On va chercher. C'est quoi ça? Point force, point expérience. On peut en mettre en tant que je sais pas. Endurance. Ah bon, j'arrive. Intelligence. On va attaquer. Agilité. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. C'est qui m'a demandé, là. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Ouais. C'est pour être tranquille. Il était pas chelou, lui. Quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. Mon cœur, n'est-ce pas? Ça serait bien qu'il se passe quelque chose, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai changé la couche de chaude. Super. Je pense qu'il a besoin d'un câlin, papa, que vous semblez... Cotsworth. Tu as entendu Cotsworth? Allez, allez. Si je puis me permettre, c'est un jeu à babysitter ou quoi? Vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de son père. C'est normal. Oui, le pigeon. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu de mobile. Il adore ça. On se croirait dans les 6 mois. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Et je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Bonne idée, ouais. Ouais, mais ça, parce que, bonne idée. Pour sortir un peu, là, c'est là. Monsieur, pour l'instant, on fait pas grand chose. Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Ça va être l'apocalypse, non? C'est en gros comme une baraque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que là...
éclairs aveuglants. Hein? Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Elle a dit que ça allait péter. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à... Génial. À New York et en Pennsylvanie. Ah ben ça va. C'est à New York, ça va. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Il est où, là, oui, hein? Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri Sean. Bonjour, madame. Mais non, c'est rien. Ça peut être un peu. Ne pleure pas. Tout va bien. Laisse le petit. On prendra de l'eau. Il nous suit le robot? Ah non, je crois qu'il nous suit là. Un voisin. C'est par là ou non? Merde. Ah non, mais c'est un soldat. Oh, du calme. J'irai porter plainte. Oui, il y a l'autre. Vous êtes inscrit, avancé. Sinon, rentrez chez vous. Il se barre en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis inscrit, moi. Vous êtes inscrit. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, on est pas. Femme adulte, c'est bon, allez-y. Merci. Bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté on de la barrière? Bon, allez, dépêchez-vous. S'en sortir. Un hélicoptère. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. C'est quoi ce truc? On y est presque. Tout ira bien. On y est presque. On y est. Tous les deux. On t'aime aussi. Ok. Oulolo. Le feu d'artifice. Elle a commencé. Ouais, faut appuyer sur le bouton peut-être. Aidez-moi. Comme s'ils ont pas chopé les radiations. Ouais, ça commence pas mal. C'est un petit peu la panique, mais c'est pas grave. En croix, les sensations elles sont pas mal, le jeu vital a l'air pas mal, et après il faudrait voir avec les armes et tout, parce que pour l'instant là, on fait pas grand chose à part aller dans le bunker. Je pense qu'après, quand on va ressortir du bunker, ça va être un peu l'apocalypse. Et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Ouais, un ordre. De s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Okay. Bienvenue dans l'abri sans. Faut pas m'abaisser. Un avenir meilleur sous terre. Pardon. Montez l'escalier. Ok, super. Je n'arrive pas à le croire. Approchez-vous de la table. Excusez-moi. Avancez jusqu'à la table. Venez par ici. Dégaine qu'il a le mec. C'est une combinaison. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Merci. Ouais, j'ai habillé comme eux, super. Il vous montrera où vous rendre. Bon, vous trois, ouais. On a tout perdu. C'est immense, le truc. Notre maison. Tout ce qu'on c'est un bunker, ça. Ouais, c'est immense. Cela dit, les autres ne sont bonjour, madame. Je sais que c'est une situation. On vous expliquera tout ça. Docteur. Pardon. Suivez-moi. Ça me va bien, non? Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Il y a un paquet de petits personnages. Pas vrai? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils vont nous endormir dans les machines. Écrivez-le. Ok. Entrez dans la capsule quand vous... Ils vont mettre le petit comment, là? Oh, super. Nouvelle machine à laver. Allez, je suis sûr que quand je vais me réveiller, il n'y aura plus personne. Une nouvelle vie qui commence. Ah bah, super, nouvelle vie. Elle va dormir en tenant le pied comme ça. Normal. Procédure terminée. Oh super. Allez, choper la crève. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que quand il va se réveiller, il n'y aura plus rien. Non. C'est un gros coup d'une baraque.
laver. Allez, réveille-toi. Ah, si ça arrivait un vrai, ça. Bon, ça arrivera un jour, mec. Hein. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ils vont la prendre. Je suis sûr qu'ils vont prendre le pied. Ah ouais, ok. Ils vont prendre l'enfant, je suis sûr. Non. Lâchez le bébé, je ne le répéterai pas. Tu vas tirer. Non. Oh. Ouh, ça sent la vengeance là. Hop. Allez, allez, allez. Le début il est un peu long. Voilà, il se passe pas grand chose à part là qu'il a pris le petit. Allez, allez. Ça y est, il a ouvert. C'est un petit peu dommage, ça pas trop les vibrations. Un peu dommage ça. Après il faut voir les armes. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Activer, capsule. Ça marche pas ça? Allez, allez, allez. Oh non. Ça elle est morte, à mon avis, on va pas faire grand chose. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Alors, par là, qu'est-ce que c'est ça? C'est fichu. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance. Ok. Et par là. Comment on sort de ce bunker? Il n'y a plus personne, hein. Par contre, il n'y a que moi de... vivant, super. Appuyez sur un T pour un attaque. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est des cafards géants ou... Des cafards géants? Ah ouais, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Viens manger ce soir. Quoi la taille? Les cafards. Ouais, je passe par comment là? Ouh, quoi les bestioles? Quoi, ils sont très bestioles là? Encore des cafards. Ah, par contre, il y a des petites vibrations là, c'est sympa. Ah, mais. Ah ouais. Les radiations en plus. Super. Génial. Ça va bien, les gars, si vous avez des armes. Hop, je fais quoi avec ça? Bon, je... Ah, t'es beau là? On le prend comment? Ok, ouais. Et je le prends comment, le pistolet? Yes. Oh, pas mal. Ah ouais, là, il y a une bonne vibration, par contre. Ça va? Ouais, c'est pas mal. Ça, ça va bien servir à quelque chose. Je sais pas. Je l'ai pris dans l'inventaire. On peut tout fouiller, c'est vraiment pas mal, ça. Ouais, c'est vraiment pas mal, comme jeu. Par contre je crois qu'il y a pour, je crois qu'il y a 100 heures de jeu, je crois. J'ai eu le ça. Et de quoi faire, c'est vrai que là. Si vous aimez les jeux d'aventure, tout à la FPS, là vous serez pas déçu. Il faut que ce terminal. Terminal. Terminal doit avoir ça doit être l'ordiche. Ok. Fiche.
activer la porte. Manuel de protocole, hein, journal. Ouvrir le... Ah, ça c'est ça. Hop. Ça va ouvrir. Voilà. Hop, on prend le flingue. Par contre, j'ai pas vu l'interface, s'il y avait des trucs pour... un peu chargé du... Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien trouvé par contre. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est pas mal, celui-là qui aime pas la vue à la FPS. Ah, par contre, la vue elle est pas mal, parce qu'elle est super bien... pas bien... assez jouable. Bien jouable même. D'habitude c'est pas trop jouable, les vues comme ça, moi j'aime pas trop. Oulala. On va mettre la vue à la FPS, c'est moi je préfère. La vidéo par contre elle est pas mal. Ça fait penser un peu à Resident Evil. Mais mieux même. Hop. Ouais, mais je suis pas encore sorti du bunker. L'autre est en train de niaquer, de faire son petit 4h là. Hop. Ah ouais, on peut taper comme ça. Interface Big Boy nécessaire pour activer la séquence de la porte de l'abri. C'est quoi interface Big Boy? C'est quoi interface Big Boy? Ah, lui il a plus un bomb. Il a pas un truc sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Squelette. Où sont tous les autres? Bah ils sont morts. Faire bouffer par les cafards. C'est quoi l'interface Big Boy? Comment là? Alors là, je suis bloqué. Je reviens en arrière sûrement, je sais pas. Je vais revenir à voir. Là je vois pas quoi ça peut me servir. Et le problème c'est qu'on n'a pas de carte, on ne sait pas ce qu'il faut faire un peu. C'est des ordinateurs, c'est ça doit servir quelque chose. Instrument, journal sécurité, manuel, protocole, instrument, c'est la brille. Ouais, il n'y a rien pour m'aider à ouvrir ça. On peut tout prendre, hein. C'est vraiment pas mal. Par contre là je suis bloqué parce que là je sais pas. Ce que c'est qui demande de... Là il y a notre ordiche. On va aller voir. Mince. Putain, ouais, dès qu'on appuie trop vite. Donc un lit, note de service. Note. Par contre ça fait penser un peu à Alien Isolation pour ceux qui ont joué. Touche. C'est quoi ça? Ah ouais, les fringues. Okay. Ah, ça y ressemble beaucoup. Sauf qu'il n'y a pas l'alien qui vous poursuit partout. Là par contre il aurait pu mettre une petite carte, un truc, parce que là c'est un peu le bémol là. Je reviens en arrière là. C'est tout ce qu'il reste. Le cafard. C'est quoi ça? L'armurerie, non? Non. C'est quoi ce truc? Pas mal. Attends-moi, je reviens. Quoi? Déverrouiller. Ah, si c'est non. J'avais une épingle à cheveux. Pas d'épingle à cheveux. Oh putain, il faut une épingle à cheveux pour avoir l'arme. Putain, elle est pas mal en plus. Eh merde. Une épingle à cheveux, je sais que je vais trouver une épingle à cheveux moi. Je fouille un peu partout là pour chercher là, mais attends, parce que là je suis tellement bien dans le truc maintenant, dans le jeu, que je s'amuse à chercher un peu partout, c'est pas mal quand même. Alliance, combinaison, c'est quoi ça? Ah, il doit avoir une plaque à cheveux peut-être là-dedans. Non. Non,
Plus d'épingles à cheveux. Pas d'épingles à cheveux, putain, c'est chier. Pour l'ouvrir le flingue. Merde. On peut pas. Je peux pas l'ouvrir avec le flingue. Putain, c'est dommage. Hop. Ben là le problème c'est que je suis bloqué parce que là je sais pas ce qu'il faut que je fasse. À part aller là, là. Ah, sur le corps. Ne me dites pas qu'il était sur le corps. Non. Eh pendant que j'y passais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Des nouvelles montres ou quoi? Oh putain, c'est juste à côté en plus. Bon, d'un côté, ça m'a. J'ai trouvé l'arme là, mais le problème, les épingles à cheveux, il n'y en a pas. Si je trouve une épingle à cheveux, j'aurai une nouvelle arme. Elle est pas mal, ça montre. Bon, un peu lourd, mais. On va pouvoir regarder le foot, le dimanche. À quoi ça sert ça? Par contre, ce qui est pas mal, c'est le petit logo là qu'ils ont fait là. On reconnaît bien le jeu avec le petit logo là. Appuyez pour un. Ok. Ah ouais, ça fait plein de trucs. Hein. Truc de malade. Ok. Bon, par contre, est-ce que ça peut m'ouvrir ça là? Ah ouais. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Ça fait un petit. Comment on appelle ça? Un allume-cigare, on dirait un peu. Hop. Bon. On va voir la porte, par contre, j'aurais bien aimé trouver, mais là, le problème, c'est que j'avais pas. Bien là, je. Tant pis. Allez, ouvre-moi ça, là. Quoi, elle est pas petite la porte, hein. Elle est immense, cette porte. Ah, il y a la passerelle qui se met là. Par contre, on peut pas sauter, ça c'est un peu dommage. Pour aller plus vite. On est obligé de faire le tour, ça c'est un peu dommage. Donc on passe là. Sur le passerelle. Ouais, c'est bon. Et hop. Ah, il est vraiment sympa, hein. Franchement il est bien, graphiquement il est pas mal. T'aimes bien la route le jeu. Franchement, j'y avais joué un ou deux, mais ça faisait un bail, hein. J'avais pas rejoué un Fallout. Celui-là il est pas mal, franchement il est pas mal. Graphiquement il est pas mal, bon il aurait pu être encore plus beau, mais il est vraiment pas mal. Mince, bon, je prends la... Changer de nom, changer de l'apparence, terminer... Ah, on peut changer d'apparence. Ah, c'est pas mal ça. Bon retour à la surface. Bon retour à la surface, à mon avis ça va être l'apocalypse. Hein. Merci pour le bonjour. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, il va tarder de voir la suite là. Hop, par contre les temps de chargement sont un petit peu longs. Mais je pense que vu le jeu, comme il doit être assez long l'histoire. J'ai des potes qui avaient joué, il m'a dit qu'il était très long le jeu. On dirait un peu style à métro. Ça ressemble. C'est vrai que... Ok, ça a bien changé le coin. Ah, j'ai eu un succès, yes. Il est pas là le mec. Pourquoi l'autre il est mort à carboniser le jeu. Et si j'appuie sur le bouton, ça fait quoi? Si je trouve une épingle à cheveux, si je peux revenir en bas, ça m'aiderait. C'est pas où c'est qu'il y a une épingle à cheveux. C'est bon ça. Par contre, j'espère qu'avec la montre, je pourrais me repérer avec la carte. Ouais, ah c'est pas mal, on peut aller où on veut. Là. C'est pas mal ça. Ah, c'est un petit peu à mon ouvrir ça. Je mets de la vue d'eau là pour mieux voir. Maintenir orienté vers le haut et vers le bas. Ouais, ok. Donc, je vais reprendre la vue. C'est vrai que je peux faire la vue à l'FPS. Ok, je viens de gagner des thunes, je sais pas ce que c'était. Alors, s'il y a les gros cafards, j'imagine pas les bestioles. Oulala. Ouais, ça c'est les cafards. Mais le problème c'est que... Ouais, je crois que j'ai plus de balles. On va le prendre. T'as pour voir le détail.
Ah ouais, mais j'ai plus de balles. Oh putain. Eh ben. Elle fait dégâts la bombe nucléaire. Ouais, il faut fouiller un petit peu partout. Oh, super. Là, je fais comment là? Ah ouais, je mets comme ça là quoi. Oh la vache. C'est quoi ça? Je suis en train de me faire attaquer par le café. Je peux pas le taper? Ah si. C'est quoi ça? Pour lancer une grenade posée, mine. Ok. Ouais, bizarre le truc. Ouais, on verra ça plus tard. Ça serait bien, je trouve des balles. Bonjour madame. Ouais, il est pas mal, franchement, il est bien fait, tout. Rien à dire. Voilà, c'était surtout c'est pour vous le montrer, pour vous dire qu'il est vraiment bien. Moi j'aime bien. J'ai bien pris dans le jeu et tout. Il y a pas mal de choses à faire. Ah, il y a un chien. Oh, il est sympa, j'espère. Ouais, ça va. Salut toi. Ah pas mal. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Berger allemand. Accompagné bonhomme. Tu as perdu un être. Ah si, il parle le chien lui. Il parle le chien le mec, bien sûr. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Allez, ouais, je te laisse sur un bout. Hein. Au bord. Hop. Ah ça m'a pas quelque chose hein, le début. La radio, on s'en fout. Ah. Ah par contre le chien ça peut servir. C'est trop. C'est un peu fun. Ah il a trouvé quoi là? Ah non je croyais qu'il avait un truc. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Par ici. Ah c'est bon là. Ouais ça ressemble beaucoup comme je le dis à Métro. Le dernier qui va sortir bientôt là. Qui est là vraiment beau. Pas mal. En tout cas ce jeu là il est vraiment pas mal. Bizarre que je suis passé à côté parce que j'aurais dû peut-être le prendre. Plutôt le jeu. Oh bien. Ah, sympa. Voilà, c'est pour le montrer, pour vous dire qu'il est bien. Allez, je vous dis sur ce coup, à plus. Et amusez-vous bien. Oula, c'est quoi ça, c'est moustique géant. Oula. Et amusez-vous bien, je vous dis à plus. Ciao.